Bonsoir, mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, et vous tous qui n'avez pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu par Jésus-Christ, notre Maître. Bienvenue dans cette émission. Il est minuit. Il est minuit, pourquoi? Parce que pourquoi il est minuit? Tout simplement parce que dans la Bible, dans Matthieu 25, il y a une parabole. La parabole de 10 vierges qui allaient toutes à la rencontre de leur époux. Et comme l'époux tardait à venir aller à leur rencontre, comme l'époux tardait à aller à leur rencontre, ben, toutes ces vierges s'étaient assoupies et endormies. Et à minuit, nous dit la parole de Dieu, quelqu'un est venu crier, voici l'époux, et ces vierges s'étaient toutes réveillées. Et cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient insensées. Cinq étaient sages, pardon. Cinq folles et cinq sages. Et les sages, en se réveillant, avaient pris de l'huile en réserve et leurs lampes étaient préparées. Et elles sont allées à la rencontre de leur époux. Et les folles, avec leurs lampes, elles avaient leurs lampes, mais malheureusement, elles n'avaient pas pris avec elles de l'huile et leurs lampes, malheureusement, ne pouvaient pas les éclairer. Elles étaient restées. Voilà, donc il est minuit parce que nous croyons que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps de troubles, de guerres, de beaucoup de tentations, des familles qui sont disloquées, des familles qui sont brisées, des gens qui sont de plus en plus malades. Et il y a de plus en plus de fusillades, d'attentats, comme vous pouvez le voir. Hein, de plus en plus, le monde est dans le trouble. Et nous croyons, selon les Écritures, que le Seigneur notre Dieu n'est pas loin, que Yeshua, notre Maître, est en train de revenir. Et nous avons bien sûr une pensée à chaque fois pour toutes ces femmes violées dans le monde entier, pour toutes ces femmes décapitées, pour toutes ces familles endeuillées suite à des attentats. Nous avons une pensée pour tous ces policiers, ces gendarmes aussi qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir, bien sûr, mettre de l'ordre pour aussi protéger des populations. Et nous voulons aussi prier pour ces autorités, pour que le Seigneur les garde, qu'il leur donne l'intelligence afin de faire correctement leur travail. Comme la parole de Dieu, la Bible, nous le recommande dans 1 Timothée chapitre 2, où il est question de prier pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité pour les autorités. Et voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni et nous bénissons la France. Nous bénissons l'Europe, nous bénissons les nations et nous bénissons aussi, bien sûr, Israël, la Palestine, les Arabes, les nations, au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni. Alors nous allons d'emblée commencer par des questions-réponses parce que c'est ça qui est prévu ce soir. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler pour nous poser éventuellement vos questions concernant, bien sûr, la parole de Dieu, concernant la doctrine biblique. Gloire à Dieu. Donc vous pouvez nous appeler au 01 64 80 98 90 45. 01 64 98 90 45. Gloire à Dieu. Le Seigneur est en train de travailler. Le Seigneur est en train de sauver des vies. Et des gens qui étaient dans le péché, ancrés dans le mal, que le Seigneur est en train d'arracher de l'enfer. Et nous bénissons le Seigneur. Et personnellement, ce soir, je tiens à dire merci à tous ces chrétiens qui, tout au long de cette semaine, ont pris position, hein, donc depuis le week-end passé, ont pris position pour la vérité du Seigneur, pour défendre la vérité en étant correct, en étant, mes amis, respectueux et envers les gens, envers les uns les autres. Et ces chrétiens qui se lèvent aussi pour dire au monde entier, oui, nous sommes chrétiens, oui, nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est mort à la croix et ressuscité 3 jours après pour nous sauver. Et nous sommes fiers de l'être, fiers d'être chrétiens. Et parce que être chrétien, c'est aussi respecter les gens, être chrétien, c'est respecter les autorités, être chrétien, c'est bénir ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous persécutent. C'est cela, être chrétien, c'est des porteurs de la joie, de porteurs de la paix. Au nom de Yeshua, être chrétien, c'est aussi le fait de dénoncer le mal, parce que le mal, bien sûr, ronge, le mal détruit. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Non, il y a encore personne en ligne ce soir. Donc, je pense que beaucoup sont
et tu es en train, bien sûr, de chercher à nous appeler. Que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Je suis beaucoup encouragé quand je vois des âmes, des hommes et des femmes qui font la paix avec Dieu et qui retrouvent, mes amis, qui trouvent leur joie, leur bonheur en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu est grand. Nous allons lire un passage dans Jean chapitre 14. À partir du verset premier, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, disait Jésus. Pourquoi le trouble? Parce que, ben justement, pourquoi ne pas s'inquiéter? Pourquoi le Seigneur nous demande ici de ne pas nous troubler? Ben parce qu'il y a effectivement plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à nous inquiéter, à être troublés quand on voit ce qui se passe dans le monde, toutes ces guerres, toutes ces âmes qui sont, mes amis, exécutées en Syrie, nos frères et sœurs, chrétiens aussi en Syrie qui sont persécutés, quand on voit des familles entières qui sont décimées, quand on voit ce qui se passe en Afrique, dans certains pays africains, quand on voit ce qui se passe ici en Europe avec les attentats, quand on voit ce qui se passe, mes amis, dans ce monde avec des familles brisées, avec des gens qui ne mangent pas à leur faim et qui meurent, des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Quand on voit, mes amis, le changement climatique, ce qui se passe dans le monde, mes amis, ben, il y a deux raisons d'être troublé. Et Jésus-Christ le savait. C'est pour cela qu'il nous rassure ici en disant que votre cœur ne se trouble pas. Ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc pour ne pas être troublé, il faut avoir la foi. Oui, la foi, mais pas la foi envers les hommes et dans les hommes, mais la foi en Dieu, notre Créateur, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, je voudrais aussi vous dire cela, mes amis, quel que soit ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous traversez, maladie, souffrance, pauvreté, et critique, et persécution. Il y a tous ces chrétiens dans les pays où ils sont persécutés, que ce soit en Chine ou dans certains pays musulmans. Eh ben, je voudrais vous dire, soyez fortifiés, soyez encouragés et demeurez fermes dans le Seigneur, que votre cœur ne se trouble pas. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, frère Chora. Je voulais vous poser une question pour savoir ce que c'est le désert, parce que, comme on le constate, il y a tellement une corruption de la sémantique sur les mots, et je pense que c'est ça qui amène aussi à mal interpréter la parole de Dieu. Spirituellement, c'est quoi réellement le désert? Parce que dans la compréhension religieuse, le désert, c'est quand on n'a pas l'argent, quand, voilà, et puis on dit qu'on est pauvre. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement le désert selon la parole de Dieu? Ok, le désert, c'est pas forcément quand on n'a pas l'argent, c'est pas, c'est Oui, écrit. justement, c'est ce que je dis, ça c'est dans la conception religieuse. Tout à Mais fait. maintenant, je voulais savoir la vraie définition du désert selon les Saintes Écritures. Ok, donc selon les Écritures, qu'est-ce que le désert? Et le désert, le désert, mais il y en a plusieurs aussi en même temps, hein, donc il y a le désert principal, et le désert est une école. Voilà. Donc c'est l'école du Seigneur. Allons dans les Écritures. Donc l'équipe va nous aider. Nous sommes dans le livre de Luc. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Luc chapitre, on va prendre Luc chapitre 2. Voilà. Seigneur, merci pour cette parole qui va nous faire du bien, qui va nous délivrer, nous sauver. Donc nous sommes dans Luc chapitre 1er, pardon, le verset 80. Est-ce que vous pouvez lire ce passage, ma sœur? Merci, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que le désert? Qu'est-ce qu'un désert? Selon la parole du Seigneur, bien sûr. Verset 80. 80.
80. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Voilà. Et Dieu, la parole ici nous dit que l'enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, a vécu dans un désert. Pourquoi? Pourquoi? Donc pour être formé. On nous dit que le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit. Donc le désert est le lieu de formation par excellence. C'est pas ces écoles théologiques, parce que là on va recevoir plus la connaissance intellectuelle. Mais la vraie école de formation, c'est celle du Seigneur, c'est-à-dire le désert. Pas le désert physique, bien sûr, à l'époque c'était le désert physique, mais aujourd'hui c'est un désert spirituel, c'est-à-dire l'isolement. Voilà. Et la solitude, précisément, ouais. Donc, on peut être entouré alors qu'on se sent seul, alors qu'on est seul. Pourquoi? Parce que Dieu le fait exprès pour nous former, pour former notre esprit. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. D'accord. Et ensuite, Jean est resté dans le désert et on nous dit qu'ensuite, il a été formé, il a connu la croissance et la fortification de l'esprit là-bas. Et ensuite, Dieu nous dit qu'il va se présenter à Israël. Amen. C'est-à-dire avant de se présenter aux hommes, avant d'aller confronter les gens pour leur partager la parole, bien sûr, affronter les gens pour partager la parole, avant d'aller évangéliser ici et là, Dieu nous forme d'abord dans le désert, il nous amène dans le lieu secret. C'est comme quand on regarde un peu dans la nature, lorsqu'on plante, lorsqu'une graine est plantée quelque part, comme la parole le dit également dans Jean 12, elle doit d'abord s'enfoncer dans le sol, voilà, mourir, avant de germer. Donc voilà, donc le désert, c'est le lieu où Dieu brise notre chair, notre orgueil, notre caractère humain, et nos motivations impures. Amen. Et maintenant, il nous amène après la formation, il nous sort pour aller témoigner de lui. Et donc, il y a plusieurs types de déserts. Et il y a le désert par rapport au rejet, par exemple. Dieu permet parfois ce que les gens nous rejettent. Voilà, c'est ça. Donc, et il y a aussi le désert de la fausse accusation. On va t'accuser faussement. Comme Joseph avec ses frères. Tout à fait. Il a été accusé faussement par la femme de Potiphar. On lui a attribué des intentions, on lui a prêté des intentions, pardon, on lui a attribué des choses, des actes qu'il n'avait pas commis. Et il y a le désert aussi. Dieu peut permettre à ce que pendant quelques temps il y ait des problèmes de finances, mais pas au point de quemander. Non. Voilà. Pas du tout, parce que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 6, Dieu nous donne chaque jour ce dont on a besoin. Tout à fait. Donc, il ne va pas laisser ses enfants, aller commander comme des voleurs, comme des mendiants, pardon, ici et là. Et c'est pas ça. Je ne parle pas de la prospérité, de l'évangile de la prospérité selon certains prédicateurs, mais je dis simplement que Dieu nous donne chaque jour notre pain quotidien. Voilà. Quand le Seigneur il va dire à Pierre, suis-moi, je ferai de toi, viens, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc quand on entend par viens et suis-moi, donc ça c'est l'appel, et je ferai de toi, comme vous étiez en train de le dire, c'est le moment de la formation. Effectivement. Non, après, pêcheur d'hommes, ça c'est la mission maintenant. Effectivement, de tout, ouais, c'est ça. Quand c'est. En mission, il faut d'abord, voilà. Parce que on voit très bien comment il avait laissé, par exemple pour le cas de Pierre, il avait laissé ce qu'il avait pêché, hein. Voilà. Et pourtant, il devait aller nourrir sa famille. Même sa femme devait le trouver un peu déréglé, on va dire. Voilà. Donc, ok, je comprends mieux maintenant. C'est ça. Dieu dit dans Ézéchiel, je l'amènerai dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Donc c'est le lieu aussi Dieu se révèle à nous, comme Paul quand il a reçu son appel selon Galates 1,
Il n'est pas monté à Jérusalem tout de suite, mais il est parti en Arabie. Et c'est certainement dans un lieu désertique, hein, pour prier, pour chercher le Seigneur dans la prière. Et puis c'est comme ça qu'il a été aussi formé. Et puis, on a aussi l'exemple flagrant des Hébreux qui sortent de l'Égypte. Qui sortent de l'Égypte. Effectivement, le Seigneur les a, selon Deutéronome 8, selon Deutéronome 8, Dieu les a amenés par ce désert, alors il y avait un raccourci, mais Dieu n'a pas voulu, voilà, parce que le peuple allait certainement retourner en Égypte aussitôt, et à cause des guerres, donc il a pris ce chemin qui a duré 40 ans. Ça aussi, c'est à cause de la désobéissance, hein, des Hébreux. Et là, ben, il a eu le temps de les former, les façonner, et surtout la génération qui a conquis Canaan. Ok, merci bien. Merci bien, frère Chora, parce que j'aimerais aussi vous encourager par rapport à la grâce. J'ai pensé à ça, et j'ai eu l'idée, si je pouvais vous avoir au téléphone, Gloire à Dieu, aujourd'hui, je suis avec vous au téléphone, et l'idée qui m'est arrivée, c'était de la même manière, vous avez crié par rapport à la dîme, et quand l'occasion se présentera, comme dit la parole, à toute occasion, prêcher, à toute occasion, il faut revenir sur la grâce, parce que je vous dis, cette grâce en question qui est mal comprise dans le milieu évangélique, ça tue les gens. Moi, ça m'a tué. Et quand les gens veulent voir la grâce de cette façon, dans ce cas-là, repartant chez les catholiques, où chaque dimanche, ou chaque samedi plutôt, parce que j'étais catholique, chaque samedi, on va aller devant le prêtre et on va prêcher, on va confesser nos péchés. Et puis dimanche, on va à la messe. Je parle des termes catholiques pour mieux expliquer ce que je dis. On va à la messe. Et après, il rebelote. Donc, on ne comprend pas ce que c'est réellement la grâce. Et voilà, donc quand l'occasion se présentera, vraiment, il faut vraiment marteler là-dessus. Je le dis ce mot, hein, marteler, parce que c'est pour le salut d'un grand nombre encore qui se perd. C'est ça. Voilà. Merci. Et un passage que je veux lire par rapport au désert dans Ézéchiel chapitre 20, à partir du verset 33. Oui. Et je suis vivant, dit Yahweh. Je régnerai sur vous avec une main forte et un bras étendu et avec effusion de colère. Je vous sortirai du milieu des peuples et je vous rassemblerai hors des pays dans lesquels vous êtes dispersés avec une main forte et un bras étendu et avec effusion de colère. Je vous ferai venir dans le désert des peuples et je contesterai là avec vous, hein. Et on dit, je vous ferai venir dans le désert de peuple, et là, je vous jugerai face à face. D'accord? Donc dans le désert, Dieu nous juge. Et aussi, donc juger pas dans le sens de nous condamner, bien sûr, mais il nous taille, il nous façonne, comme j'ai jugé vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Ainsi, vous jugerai-je, dit le Seigneur Yahweh. Je vous ferai passer sous la verge et je vous introduirai dans le lien de l'alliance. Voilà, c'est ça. Et je séparerai de vous les rebelles et ceux qui se révoltent contre moi et je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent, mais ils ne viendront point sur la terre d'Israël et vous saurez que je suis Yahweh. Amen. Donc le Amen. Désert, c'est aussi le lieu de... Des rebelles. En fait. Voilà. Il y a la séparation pour leur former. Donc c'est ça, c'est l'école. Il les sépare, quoi. C'est l'école. C'est une école, ouais. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a séparation entre chrétiens, séparation, je veux dire, oui, il peut y avoir des séparations. Les vrais chrétiens ne sont pas divisés. Mais ceux qui sont comme des parasites, qui peuvent se servir de nous, de vous, pour faire leur ministère, leur service, pour se faire de l'argent, ben Dieu, à un temps donné, il sépare le blé de l'ivraie. Donc, c'est des déserts, et toute séparation n'est pas facile à vivre. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est biblique, le désert, et c'est une bonne chose, mais le désert, ce n'est pas le fait d'aller commander à tout le monde parce qu'on a des problèmes d'argent, parce qu'on n'arrive pas à payer son loyer, on dit c'est le désert. Non, voilà, ça, ce n'est pas notre Dieu. Vraiment la compréhension religieuse du désert. Voilà, Dieu nous donne ce dont on a besoin tous les jours.
Donc, et s'il nous donne une vision, s'il nous donne une mission, il ne va pas, ne pas, il ne peut pas ne pas la soutenir matériellement, financièrement, parce qu'il est Dieu. Il donne de la semence au semeur, nous dit la parole, et du pain pour sa nourriture, dans 2 Corinthiens. Donc, que le Seigneur soit béni, ma sœur. Merci pour ta question. Au Merci, au revoir. revoir. Voilà, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'un désert? Qu'est-ce que le désert, selon les Écritures? Eh bien, le désert, ce n'est pas le fait d'aller voler, d'aller commander. Le désert, c'est l'école du Seigneur. Et il y en a plusieurs, hein, des déserts. Voilà, donc des fausses accusations, le fait d'être calomnié, par exemple, et le fait d'être de se sentir seul, et le fait d'être rejeté, et le fait d'être incompris, et comme Joseph. Ça, ce sont des déserts, et à chaque, n'est-ce pas, à chaque étape où Dieu nous amène, à chaque nouvelle étape, il y a aussi un désert qui lui est approprié. Donc, à chaque nouvelle élévation, avant que Dieu n'élève quelqu'un, bah, il le fait passer par l'école. Donc, c'est comme dans le monde, hein. Et donc, vous ne pouvez pas passer à une classe supérieure si vous n'êtes pas passé par un certain nombre d'examens, d'épreuves. Donc, le désert, c'est aussi un lieu d'épreuves et où Dieu nous qualifie, voilà, où l'on est qualifié ou disqualifié. Que Dieu soit béni, mes amis, pour cette belle question au nom de Yeshua. Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre en ligne? Non. Que le Seigneur soit béni. Alors, je crois que le Seigneur voulait juste qu'on partage un peu ce soir par rapport au désert et on va pas beaucoup épiloguer. Donc, je voulais juste répondre à deux ou trois questions ce soir et que le Seigneur soit béni. Vous savez que ce samedi, nous avons un grand programme d'adoration, de louange, de partage de la parole ici au 24. Et ce samedi, à partir de 14h, mais bon, les gens sont là souvent plus tôt. Je pense même qu'à partir de 11h, on pourra déjà commencer à bénir le Seigneur, le louer. On va se laisser guider comme d'habitude. Que le Seigneur soit glorifié pour votre compréhension. Et encore merci à nos frères et sœurs. Merci à tous ces hommes et toutes ces femmes qui prient pour nous. Merci pour votre amour pour la vérité. Et merci à tous ces chrétiens qui prennent position pour la vérité. Et qui aussi, mes amis, voilà, prie pour les frères et sœurs qui sont convertis nouvellement et qui veulent servir le Seigneur et qui veulent l'adorer en esprit et en vérité. Que le Seigneur soit béni pour votre amour pour le Seigneur au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et je voudrais dire à nos frères et sœurs qui nous suivent, quand vous avez de nouvelles personnes qui sont converties, de nouveaux convertis en Christ, qui sont encore des bébés dans la foi, il faut beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et les aider à grandir. Hein, comme nos deux sœurs qui, mes amis, viennent de recevoir le message du retour à la parole, l'évangile de Christ. Et il faut les soutenir dans la prière et dans les conseils. Et voilà, donc parfois nous avons mis des années pour comprendre que la dîme, elle n'était plus d'actualité. On a mis des années pour comprendre que, mes amis, il faut pas mettre des photos sur des affiches parce que c'est Christ qui doit être vu. Et alors, on va user de beaucoup d'amour à chaque fois envers nos frères et sœurs, hein, aussi envers les inconvertis, les païens, et aussi particulièrement avec les personnes nouvellement converties, parce que c'est encore des bébés. Alors il faut les encourager, les fortifier, et afin que ces personnes grandissent dans le royaume de Dieu. Les choses que nous avons compris en 5 ans, on va pas demander à quelqu'un de les comprendre en une semaine. Ces sœurs-là sont converties il y a moins de 3 mois. Et alors, faut beaucoup, beaucoup les soutenir à la prière. Et comme d'autres qui vont se convertir, d'autres personnes là, qui sont connues, des personnes publiques, des personnages publics qui sont touchés par le Seigneur, parce que c'est aussi ça, c'est aussi cela l'évangile. C'est pas seulement une catégorie de personnes, c'est toutes sortes de personnes. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Toute la gloire lui revienne au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère Soura. Voilà, ben, j'ai une petite question, c'est savoir si on peut s'attendre à un réveil selon la parole de Dieu ou pas. Est-ce qu'il y a, parce que quand on lit que le Seigneur a son retour, est-ce qu'il va trouver la foi? D'autre part, quand il nous dit, ça sera comme au temps de Lot et au temps de Noé, donc est-ce qu'on peut s'attendre à un réveil? Très bonne question, ma sœur. Oh, oui. Et,
On peut se tutoyer, hein? Bien sûr, bien sûr. Alléluia. Alors, on va prendre un passage dans Luc chapitre 18. Luc 18. J'ai pas la parole, hein, je travaille. C'est pas grave, ça va du côté de Marseille là-bas, là, du côté de Bagne? Je suis à Toulon. À Toulon? À Toulon, oui. Ah bon? Oui, bah je suis pas loin. C'est Chantal, non? Vous avez dit? Tu as dit? C'est Chantal? Non, 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 c'est Nadia. Ah, Nadia, ok, ouais, tu as la même voix que ma sœur Chantal. Mais oui, de... mais c'est pas la première fois que tu me dis ça. Mais il faudrait. Gloire à Dieu. Un jour que tu viennes chez nous à Toulon. Gloire à Dieu. Ben, avec ouais, joie, avec joie, avec joie. Avec plaisir, amen, amen. Merci, ma sœur Nadia. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Là, il parle de la foi sur la terre. Oui. Et non dans l'Église. Ah oui. Donc, c'est deux choses différentes. Le Seigneur dit dans Jean aux apôtres, il leur dit, vous êtes dans le monde, c'est-à-dire sur terre, mais vous n'êtes pas du monde. Oui. Donc, la foi dans l'église véritable sera conservée, sinon ces chrétiens ne seront pas enlevés, sauvés. Mais la foi sur terre, non. Ah oui. C'est-à-dire, il y a deux églises. Il y a l'église qui est céleste. Oui. C'est l'église du Seigneur. Elle est représentée par les cinq sages, les cinq vierges sages. Qui ont conservé à la fois la parole, donc les lampes, oui. Et l'huile, l'esprit, la vie. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le Seigneur dit dans Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. Oui. Donc, cette église, l'église véritable, celle que Dieu connaît, pas celle des hommes. Celle que Dieu connaît. Dieu seul la connaît. Cette église, elle est composée, comme tu le sais, ma sœur Nadia, des chrétiens issus à la fois d'Israël, qui ont reconnu Yeshua comme étant le Messie. Et elle est composée aussi des personnes issues des nations, des pays arabes, des pays africains, des pays de l'Amérique latine, des États-Unis, Canada, de l'Asie, tout ça. Et des îles, bien sûr, on peut pas les oublier. Donc, des personnes issues des nations, de toutes les nations. Cette église-là qui est un corps, le corps de Christ et le corps véritable, représenté par les cinq femmes sages, vierges sages. Et cette église-là, et elle, donc ces chrétiens véritables dans le monde entier, peuvent connaître, selon la parole, un temps d'endormissement. Et là, Dieu, bien sûr, va les réveiller. Bien sûr, dans ce sens-là, le réveil dont nous parlons, c'est le réveil de Matthieu 25, c'est-à-dire c'est une prise de conscience de ces chrétiens. C'est d'abord un réveil personnel. C'est ça. D'abord. C'est d'ailleurs, pardon, je te coupe une minute, c'est d'ailleurs ce que nous vivons, ce réveil de conscience dans la parole. La vraie. Amen. Le retour à la parole, d'ailleurs. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est, voilà. Et c'est ce que Paul dit. Donc, il s'agit de ça. Effectivement. Nous sommes en train de vivre, d'ailleurs. Parce que quand nous avons découvert les enseignements de TV de vie, justement, ben, on s'est réveillé. C'est notre réveil de conscience. Voilà. C'est d'abord un réveil personnel. Et c'est ce qui se passe aussi avec d'autres prédicateurs que nous ne connaissons pas forcément, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Et pas ceux qui sont assis et qui font n'importe quoi, qui ne sortent jamais à la rencontre des âmes. Oui, tout à fait, on est d'accord. Voilà, mais des vrais hommes et femmes de Dieu, enfants de Dieu, qui vont dans les rues à la rencontre des gens, qui sont missionnaires et qui vont crier, qui vont dire au Seigneur, aux gens, repentez-vous, sanctifiez-vous, repentons-nous, sanctifions-nous parce que Yeshua revient. Et en Afrique, en Asie, partout, et il y en a, malheureusement il y en a très peu. Et donc c'est un réveil, c'est le réveil
des vrais enfants de Dieu qui réalisent effectivement que le monde va mal, qu'autour d'eux, c'est l'apostasie, qu'autour d'eux, c'est des guerres, c'est des fusillades, c'est des divisions, c'est le racisme, c'est de l'extrémisme, tout ça là, c'est le tribalisme, c'est de l'égoïsme. Et ils se rendent compte que le monde va mal, ils se rendent compte que la plupart des églises visibles sont malades, se sont organisées en fédération d'hommes, et ces chrétiens-là se disent, oula, eh ben nous voulons avoir une relation avec Dieu sans passer par les hommes. Nous avons compris que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes, chacun comprend qu'il est le temple du Saint-Esprit. Chacun comprend que ben il faut prier avec sa femme, ses enfants, son mari. Et chacun comprend qu'à la maison, ben il faut qu'il y ait un culte familial. Et avant de chercher d'abord les églises ici et là. Chacun comprend qu'il faut qu'il médite la parole chaque jour et qu'il s'y soumette. Et chacun comprend qu'il faut qu'il respecte les autorités. Donc cette prise de conscience là, chacun comprend que, qu'il n'a pas besoin de donner, le dixième de son salaire pour être béni parce qu'il est déjà béni. Et chacun comprend que le Seigneur Jésus-Christ est notre pasteur. Donc il n'a pas besoin d'un pasteur homme. Ce que je voulais dire, c'est pas un réveil de masse, on est bien d'accord, c'est un réveil de conscience. C'est premièrement le réveil des vrais enfants de Dieu, parce que Matthieu 25 en parle, et par rapport aux cinq sages, et aussi dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11, Paul dit, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Exact. La nuit est avancée et le jour approche. Très bien. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et de jalousie. Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Donc là, quand on regarde ici, nous avons plusieurs éléments concernant ce réveil d'abord personnel, ce réveil des véritables chrétiens. C'est ça. Un des aspects de ce réveil, c'est quoi? C'est au verset 11, même vu la saison. C'est-à-dire, on a la révélation, on a là, on est conscient de son environnement, on est conscient du temps. On a le discernement sur le temps, comme le Seigneur le disait dans Matthieu 16. Il disait, vous savez discerner l'aspect des choses terrestres, mais vous ne pouvez pas discerner les signes de temps. Donc là, le chrétien réveillé réalise que c'est la saison, qu'il réalise qu'il est minuit, qu'il faut se réveiller. Parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Et là, le chrétien qui est réveillé, d'abord a le discernement sur la saison spirituelle, sur le temps dans lequel il est. C'est le temps de l'apostasie, c'est le temps du gouvernement mondial, c'est le temps de la confusion, comme nous sommes en train de le vivre actuellement. Donc, il va vivre maintenant en rapport, il va commencer à se comporter par rapport à cette compréhension du temps. Et par rapport au discernement qu'il a sur le temps, le discernement du temps. Et ensuite, autre chose, on nous dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Un autre aspect du réveil, c'est on est conscient de l'imminence du retour du Mashiach. Exact. D'abord, on discerne le temps par rapport à ce qui se passe dans le monde, tous les problèmes géopolitiques, tous les problèmes qui se passent tout ce qui se passe dans les assemblées, et ensuite, on va réaliser qu'il est l'heure maintenant de nous réveiller parce que le Seigneur est prêt, parce que l'époux arrive. Et autre chose, dans verset 12, on nous dit la nuit est avancée, donc on réalise vraiment que la nuit est avancée. La nuit ici, c'est les ténèbres, c'est le péché dans son paroxysme. Et le jour approche, donc le retour du Mashiach. Et autre chose, autre aspect du réveil, c'est on rejette les œuvres des ténèbres. On va vomir les œuvres des ténèbres. C'est la repentance, le renoncement. Donc là, c'est la repentance. Amen. Voilà. Donc la repentance, on va se débarrasser des œuvres des ténèbres, on va se débarrasser de fausses doctrines, on va se débarrasser, quitter la mauvaise compagnie des gens qui nous entraînaient dans le mal,
Donc, c'est nécessaire qu'il y ait des séparations. Donc, si même nous, Dieu nous sépare avec certaines personnes, ne soyez pas choqués parce que c'est normal. C'est ça, oui. C'est biblique. Parce que les gens ne sont pas habitués à ces choses-là. Parce que dans la religion, on est, c'est l'œcuménisme, c'est le mélange, même si on n'est pas d'accord, hein, on fait semblant, c'est l'hypocrisie. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies. Donc, c'est, on renonce les œuvres des ténèbres, tout ça, de l'ivrognerie, de la luxure, le péché, tout ça sexuel, la débauche, des querelles, de jalousie, tout ça, les hop. Et on va se revêtir des armes de l'esprit, des armes de l'armure du combattant, selon Ephésiens 6. Et bien là, c'est Christ, en fait, en gros. La foi, c'est ça. La foi, le bouclier de la justice, la parole de Dieu pour les pieds, donc tout ça. Donc là, bah, on va prendre toutes ces armes là et on va marcher maintenant vers le Seigneur, vers le, on va aller à la rencontre du Seigneur avec ces armes là parce qu'on peut pas partir, on peut marcher vers le Seigneur sans ces armes là. Ces signes là dans Romains 13, à partir du verset 11 nous montrent. Elle nous donne des aspects, hein, les signes du réveil. Elle nous confirme que quand il y a le réveil, il y a une prise de conscience par rapport au temps, il y a une prise de conscience par rapport à l'heure. Hein, on regarde à l'horloge, on regarde à ce qui se passe en Israël, hein, les problèmes entre Israël et certains pays. Tout ça, donc tous ces troubles, parce qu'Israël est une horloge. On regarde également au monde, qui est aussi une horloge. On regarde aussi aux assemblées, à la religion, hein, des religions, à toutes ces sectes. Qui sont aussi, qui représentent aussi une horloge. Et là, on regarde à tout ça, on se dit, oh là, il est l'heure maintenant de prendre les choses au sérieux et d'aller vers le Seigneur. Et ceux qui ne veulent pas avancer, eh ben nous on va avancer. Si quelqu'un ne veut pas me suivre, eh ben moi, avec ma famille, comme l'autre, comme Josué le disait, moi et ma maison, nous servirons Yahweh ou l'Éternel. Ouais, Ça, c'est le premier réveil. C'est le réveil de l'Église, des églises chrétiennes véritables, des vrais chrétiens. Et d'abord, c'est une prise de conscience personnelle. Ça peut arriver, ma sœur Nadia, qu'une personne qui est touchée, réveillée par le Seigneur, soit utilisée pour toucher tout un groupe de personnes. Tout à fait. Ça peut arriver. On l'a vu dans le cadre de Paul à Éphèse. Hein, donc, il y avait quand même ce réveil de quelques personnes. Et on le voit même avant Paul avec Jonas. On le voit aussi dans l'histoire de l'Église avec des gens que Dieu a utilisés, des hommes et des femmes de réveil. Mais ce ne sont pas des gens qui étaient là nécessairement pour attendre un réveil de masse, mais c'est des gens qui ont été d'abord réveillés personnellement par le Seigneur. C'est ça. Voilà. Personnel. Donc Dieu, dans son amour, peut permettre à ce que tout un pays soit touché, réveillé. Ça peut arriver parce qu'il est souverain, c'est déjà arrivé. Mais c'est d'abord un réveil personnel. Exact. De chaque véritable c'est enfant de Dieu pour... C'est ce qui nous est arrivé, c'est avec la prise de conscience et à travers l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à vivre toutes ces merveilles, toutes ces choses. Amen. Sinon, non. Et on se rend compte autour de nous, tout ce que tu dis là, on se rend compte autour de nous, il y en a qui prêchent même pas que Jésus revient. Hein. Et malgré la saison, comme tu dis, comme Amen. La parole dit. Amen. Malgré tout ce qui se passe autour, Jésus revient, ouais. Est-ce que ça prêche Jésus? Est-ce que vous prêchez Jésus là? Est-ce que j'en conçois. Voilà. Et ensuite, il y aura de l'autre côté, il y a deux réveils. Il y a le réveil de l'Église apostate. Oui. Mais c'est un réveil qui va les pousser, ces chrétiens, ces faux chrétiens. Et c'est religieux, parce que ces chrétiens font partie de la religion de l'homme impie. Et ce réveil religieux, c'est le réveil de l'ivraie. Ah oui. Parce qu'on nous dit que lorsque le blé parut, l'ivraie parut aussi. Aussi. Donc il y a deux réveils. Donc il y a deux réveils, le vrai et le faux. Mais il n'y a pas ce réveil de masse. Il n'y a pas le réveil global du monde entier, non. Je veux dire toute une ville, enfin pas toute une ville, mais tout un quartier qui se réveille, réveil de masse quoi. Ça peut arriver que tout un quartier, ma sœur, ça peut arriver que tout un quartier, tout un pays soit touché comme ça. On en a vu, c'est possible parce que dans la Bible on le voit avec Jonas et avec Paul à Éphèse, avec dans l'histoire de l'Église on le voit, mais et le réveil global, c'est-à-dire de toute la terre. Mais est-ce que
ce que j'ai entendu pour te mettre sur la bonne voie et la bonne question, c'est que avant le retour du Seigneur, puisque juste avant, le Seigneur va réveiller, va faire un grand réveil. Non, en fait, moisson, quoi. Non, y a le grand réveil qui va toucher plusieurs nations. Et c'est après le retour du Seigneur, après l'enlèvement. Ouais. Apocalypse 7 nous dit que plusieurs personnes de toutes les nationalités seront touchées. Voilà. Et donc, on va le lire d'ailleurs. Donc, mais je voudrais d'abord préciser quelque chose. Il y a deux réveils. Matthieu 13 le dit. On peut le lire rapidement pour la bonne compréhension des choses parce que c'est une très bonne question que ma sœur Nadia a posée ce soir. Oui. Matthieu 13 par rapport à la parabole du blé et de l'ivraie. Et au verset 24, Matthieu 13, oui. Le Seigneur dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema livré parmi le blé, puis s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors livré aussi parut. Oui. Donc, à l'apparition du blé, de la bonne semence, il y aura aussi la parution, en fait, il va y avoir deux parutions, celle du blé, la bonne semence, les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, et celle de l'ivraie, c'est-à-dire les hommes de ce monde, les faux croyants, les faux chrétiens, tout ça. Et le réveil des vrais chrétiens, des vrais enfants du Seigneur, c'est d'abord un réveil personnel. C'est ça. Comme on l'a vu, ce réveil personnel, quelqu'un qui est réveillé personnellement peut aussi, comme la femme samaritaine, à être utilisé pour toucher tout un quartier. Oui. Ça peut arriver. Tout un pays, ça peut arriver. Oui, oui. Voilà. Mais il y aura toujours, même si tout un pays est touché, il y aura toujours des gens qui vont dire non. Voilà. Maintenant, le réveil de l'ivraie des faux croyants, les hommes de ce monde, c'est un réveil qui va, en fait, ils vont prendre conscience. Ils vont se réveiller par rapport au péché. Ils vont se dire, mais le péché est bon. Alors, comme le péché est bon selon eux, alors ils vont aller encore plus dans le mal. Ils vont encore voter des lois anti-Christ. Et ces églises vont s'associer avec d'autres églises impies, ces pasteurs avec d'autres pasteurs adultères, pécheurs. On va valider le divorce et le remariage dans ces assemblées et d'autres mariages, des personnes de même sexe, tout ça. Donc, toutes ces choses-là vont être acceptées par ces églises-là. C'est le cas aujourd'hui. Il va y avoir du syncrétisme, l'œcuménisme d'abord, entre les personnes chrétiennes, dites chrétiennes, se réclamant de la Bible, tout ça, qui vont se mélanger avec d'autres religions. Donc, c'est le syncrétisme, tout ça, avec l'islam, le bouddhisme, tout ça, avec toutes ces sectes. Ouais. Tout ça, là. Donc, il va y avoir un grand mélange avec d'autres religions. Et c'est pour donner au monde la religion universelle, la religion de l'homme impie. D'accord? Et dans le monde, il y aura ce réveil aussi par rapport au péché, avec les gens de ce monde, le péché qui va prendre de l'ampleur, comme dans Sodome et Gomorre, tout ça, oui. C'est ça. Donc ces deux réveils vont marcher ensemble. Et les chrétiens réveillés au sein, qui vivent dans un monde réveillé pour le mal, ben, ces chrétiens-là seront persécutés. C'est ça. Mmh. Voilà, et le Seigneur va réveiller, va prendre l'église réveillée, comme les cinq sages, les cinq vierges sages, et ces églises-là, ces chrétiens réveillés, et vont se réformer parce que les vierges sages, quand elles se sont réveillées, elles ont commencé à préparer leurs lampes. Et c'est ça. Et c'est-à-dire, ouais, quand il y a le réveil comme ça des chrétiens, eh ben, il y a une réforme qui est entamée. Il y a la réforme, c'est le redressement, c'est le retour au principe biblique, le retour vers Dieu, c'est la repentance. Tout le temps, c'est la dénonciation du péché. Voilà pourquoi il faut dénoncer le péché, nommer les choses pour que les gens comprennent que c'est le mal. On va prêcher sur le retour de Yeshua, sur Christ, véritablement. Et on va se focaliser sur la croix, on va parler sur la croix. La repentance, la conversion, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour les âmes. Et bénir ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Et ces chrétiens-là seront persécutés par l'église apostate, par la synagogue de Satan. Parce qu'il y a deux églises. Donc l'église du Seigneur et l'église de l'ennemi, l'église de Satan. Et voilà, donc ces deux réveils-là vont aller ensemble. Maintenant, le réveil des masses encore bien comme il faut. Des gens qui vont se tourner vers le Seigneur, oui. Et ça sera aussi pendant, particulièrement pendant la grande tribulation. Apocalypse 7 le dit. Apocalypse 7, voilà. À partir du verset, Apocalypse 7, à partir du verset 9.
Après cela, je regardais et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, et ils avaient des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône et des anciens et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent devant le trône sur leur face et adorèrent Dieu. Et tous les anges, le verset 12 nous dit, et en disant, amen, la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu et à notre Dieu d'âge en âge. Amen. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de longues robes, de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Gloire à Dieu. Voilà. Donc là, ben, ce sont des convertis de masse. Il y aura des conversions de foule issues des nations pendant la grande tribulation. Et là, ben, Dieu va sauver aussi beaucoup de gens pendant cette période. Alléluia. Voilà. Ouais, gloire à Dieu. Waouh. C'est vraiment merveilleux. Ça sera pendant la grande tribulation, c'est bien dommage. Ouais, mais Dieu veut sauver quand même, et sauver quand même des gens, effectivement, ma sœur. Mais là, ouais. Là, présentement, dire que nous attendons un réveil qui va arriver, et puis on est là, on jacasse, on se caresse dans le sens du poil, on dit surtout, ouais. Faut pas dire l'enfer, il faut surtout pas dénoncer le péché, il faut surtout pas parler, il faut la sagesse. Et selon les hommes, bien sûr, eh ben, ils peuvent toujours attendre. Non, voilà. Non. Tout ça, c'est non. D'accord. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de réveil véritable, déjà personnel, sans la prédication véritable de la parole de Dieu. Tout à fait. Et prêcher, c'est dire exactement ce que Dieu dit dans sa parole, c'est-à-dire Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Et prêcher pour sauver les gens, il faut dire la vérité telle que Dieu nous la présente et non selon la religion. Tout à fait, parce que ça fait de nous des religieux. Non. Je suis complètement d'accord. Pendant 20 ans, on a entendu l'évangile dilué. Ça fait de nous des religieux. Et on souffrait. C'était que de la souffrance. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, nous avons le vrai évangile. Et vraiment, ça nous a transformés, changés complètement. Amen. Que le Seigneur soit élevé, béni. Je le souhaite pour beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de... sur la planète, voilà, on prie pour ça. Et c'est vrai que la réponse là pour le réveil, donc merci pour cette réponse, parce qu'on sait que maintenant, voilà, ça sera le réveil personnel. Au lieu de chercher un réveil global, chacun doit plutôt se dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis réveillé? Ouais, est-ce que je suis réveillé? Tout à fait. Suis-je prêt? J'ai une autre question, mon frère Choura. Mm-hmm. C'est Paul, quand il s'adresse à Timothée, quand il lui dit « prêche la bonne parole, prêche, censure, quand il lui dit tout ça, rectifie, etc. » Je sais plus, c'est 1 Timothée peut-être 3:16, je me rappelle plus. 2 Timothée 4. Oui. Mmh. Et donc, c'est là. Alors, je sais que moi je le comprends comme ça, c'est quand il dit prêche, c'est prêche pour tout le monde. Mais on m'a dit, non, là, il parle à l'église. Ah ouais, non, on va le lire. On va le lire dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. On a insisté, persuadé qu'ils avaient, ils avaient raison, enfin bref, pas raison. Il disait que l'apôtre Paul, il lui disait tout ça, mais uniquement pour l'église. Ça c'est grave, celui qui... C'est grave, parce que je l'aurais dit, j'ai dit, mais attendez, avant qu'on se convertisse, on était païens, donc il a fallu prêcher la bonne parole pour qu'on se convertisse. Oui, mais c'est d'accord, mais là, c'est pour uniquement l'église. C'est les gens qui disent comme ça, ces prédicateurs, ces pasteurs, ces apôtres, ces prophètes, ces dirigeants, ces anciens, ces diacres, peu importe, qui parlent ainsi, moi, ça me fait rougir, parce que ça me fait... C'est grave. Waouh, tu te dis, mais comment... Ils se rendent même pas compte qu'ils n'étaient pas comme ça avant. Avant, ils étaient inconvertis, incrédules. Quoi qu'en parlant comme ça, je pense qu'ils sont toujours incrédules. Comment voulez-vous que les inconvertis soient touchés si on ne leur témoigne pas l'amour de Christ?
Ben oui. Et Ben oui, Paul, parce que ça coule de source quand il lui dit prêche la bien bonne. sûr, Enfin, tu vas nous le lire, tu vas me dire qu'il en est. Je te laisse parler. Paul dit, je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Lors de son apparition et de son règne, prêche la parole. Mais la parole est prêchée à toute créature. C'est ça. Prêcher la parole, l'évangile, à toute créature. Voilà. Donc, reprends, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit, avec doctrine. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est le cas, on y est dans cette génération-là. Donc, voilà. Oui. Donc, il s'adressait, la prédication de la parole, c'est à tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà, ben c'est ça. Donc, je vais pouvoir insister un peu plus, si ça peut... C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, parce que la prédication de l'évangile, c'est pas seulement, elle n'est pas limitée aux chrétiens, elle est pour tout le monde, pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Il y a d'ailleurs Romains 10, parce qu'on ne peut pas sortir ce passage hors de ce contexte, il faut toujours, il faut se dire... Quelle est la doctrine de Paul, la doctrine biblique sur la prédication de l'évangile? Qu'est-ce que les Écritures disent de la prédication ou sur la prédication de l'évangile? Et dans Romains chapitre 10, nous avons la réponse. Il est dit, dans Romains chapitre 10, à partir du verset 17. Donc, Romains 10, voilà, pardon, c'est ça. À partir du verset... Et 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je demande, ne l'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Ah oui. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, la parole doit aller jusqu'aux extrémités du monde. Partout, partout, partout. Et verset 14, il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Exact. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Wow. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Voilà. Ah ouais, je veux le retenir celui-là. Ah ouais. Romains 10, ouais. À partir du verset 14. Voilà. Ah ouais. Wow. Eh ben ouais, c'est clair, hein. Ça complète beaucoup, hein, vraiment. Ben ouais, parce qu'on a dans les églises, on nous a appris, en fait, notre approche de la parole, elle n'est pas bonne. Et on approche la parole avec dans notre tête la pensée ou la vision du copier-coller, comme avec une souris d'ordinateur. Ouais. Donc on va couper, sélectionner quelque chose, un texte. Une phrase, et puis on va la couper et pour aller la coller ailleurs. Et alors que dans les écritures originelles, il n'y avait ni verset ni chapitre. Donc il faut lire Timothée en accord avec Romains, parce que c'est Paul qui a reçu cette révélation concernant la doctrine chrétienne, en grande partie. Tout à fait, ouais. Donc, il faut pas seulement s'arrêter à Paul, il faut voir aussi ce que Pierre a reçu, ce que Jacques a reçu. Voilà, parce que chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur, et quand on les met ensemble, eh bien, on a la vision globale de la volonté du Seigneur pour l'homme. Tout à fait. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont compris ainsi, mais bon. Ils l'ont compris comme ça, ils l'ont compris ainsi pour plusieurs raisons, je pense. Premièrement, parce que on nous a appris à lire la parole en fonction des versets et des chapitres. Ouais. Voilà. Autre chose, c'est parce que aussi une autre raison, c'est parce que beaucoup préfèrent être enfermés dans leur bâtiment ou leur maison. Ouais, hein, c'est des bâtiments aussi qu'on appelle maison d'église. Il doit y avoir quelque chose. Ouais, il doit y avoir quelque chose. Église de maison. Donc du coup, ils vivent en autarcie. Ils vivent. Ils sont complètement, c'est devenu des sectes parce que ils ne sont plus en contact avec quand ils sont avec les païens, les inconvertis, ils ont honte, ils ont honte d'annoncer le Seigneur aux inconvertis. Qu'il fallait que Timothée, fallait qu'il prêche même aux païens, que ce soit les chrétiens, les païens, comme tu as complété avec Romain là,
ça saute aux yeux, quoi. Ça me sautait aux yeux et je ne comprenais pas pour quelle raison ils le comprennent comme ça. Oui, parce que, juste comme je disais, ma sœur Nadia, beaucoup de chrétiens ont peur de s'affirmer. Ils ont peur de prêcher Jésus-Christ à leurs collègues, de témoigner de Christ partout. Ils en ont peur. Donc, du coup, ben, ils préfèrent vivre leur chrétienté essentiellement le dimanche, entre quatre murs, qu'on appelle maison ou bâtiment, grande salle, je sais pas. Ouais. Voilà. Ben, si c'est ça, c'est grave. Très grave. D'accord, mon frère. Merci beaucoup pour cette réponse. Que Dieu soit béni, ma soeur Nadia. Bon courage. Amen. Merci à vous. Bon courage aussi. Et puis, merci pour tout. Que le Seigneur soit béni, celui qui nous aide, en tout cas. Merci, mes frères et sœurs. Et amen. Soyez tous fortifiés. Soyez bénis, vous tous, les amis de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il est notre ami. Il est notre grand frère. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est notre, il est la vérité qui nous guérit, qui nous sauve. Et nous prions pour tout le monde. Nous bénissons nos frères et sœurs. Mes amis, soyez fortifiés, encouragés. Alors, nous vous donnons rendez-vous bientôt, notamment samedi, pour le programme de réveil. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il a accompli dans vos vies, dans nos vies. Au nom de Yeshua, amen.